Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats du mois. Comme tous les mois, je vous présente mes petites nouveautés, mes derniers achats. En tout cas, j'ai toujours trop hâte à chaque fois de vous faire la vidéo parce que j'ai toujours des trucs sympas à vous montrer. Mais d'abord, je tiens à m'excuser pour la lumière, pour la qualité d'image, etc. Parce que là, il fait un temps de chien depuis ce week-end. On a un temps mais pourri, il pleut, il fait pas beau, il fait noir. Enfin voilà, la qualité de la vidéo, elle est pas top et j'ai pas trouvé meilleur moment pour vous filmer. Donc je vous la fais comme ça. J'espère que vous m'excuserez. Mais bon, ça vous permet de voir un autre angle de vue. Enfin, l'angle de vue que vous aviez l'habitude de voir il y a quelques vidéos et surtout de voir mes peluches qui sont là depuis un petit moment parce que j'ai pas encore trouvé l'endroit pour les mettre. Donc du coup, pour l'instant, elles trônent un petit peu sur le canapé. Donc voilà, pour l'instant, vous aurez ce petit fond-là. Enfin, pour le moment, c'est bien sûr provisoire. Là, je ne pouvais pas filmer derrière les bibliothèques parce que la lumière est beaucoup trop basse, donc du coup, je ne peux pas vous filmer. Donc, sans plus tarder, je vous montre mes achats du mois. J'avais complètement oublié de vous montrer le mois dernier une pop que je suis trop contente d'avoir trouvée. C'est une pop qui commence à se faire rare et que j'avais trop envie d'ajouter à ma collection. Il s'agit de la pop de Sven de la Reine des Neiges. Que je n'avais pas encore dans ma collection, c'est que je ne la voyais jamais en fait en magasin, que ce soit à Cultura, que ce soit à Micromania, enfin dans tous les magasins je ne la trouvais plus. Et ensuite, au moment où j'ai voulu la commander, elle n'était plus dispo chez Pop Culture. Donc là j'ai commencé à me dire que ça allait être compliqué à la trouver, mais je l'ai trouvée complètement par hasard dans une convention et je suis trop contente parce que c'est une pop que j'adore et que je trouve vraiment très très belle. Je vais vous la montrer déboxée. Et du coup voilà à quoi elle ressemble. Franchement je suis trop fan de Sven. Je trouve que cette pop elle est juste trop belle en plus et qu'elle est vraiment imposante en fait avec ses bois. J'étais trop dégoûtée de me dire que ça allait être plus dur de l'avoir, mais franchement il est super mignon. Je suis trop contente de l'ajouter à ma collection. Il est trop trop chou. Ensuite une autre figurine pop que je pense vous avez entendu parler mais des milliers de fois, ça fait le buzz en ce moment, ce sont des figurines d'un personnage qui va fêter ses 90 ans bientôt et que je pense que vous connaissez tous. Il s'agit de Mickey. Donc j'ai craqué sur la figurine de Steamboat Willie, hein, comme 90% des gens sur internet. Il est vraiment juste trop beau. Alors moi c'est vraiment celui-là que je préférais. Il y avait aussi celui de Fantasia que je trouvais juste trop beau, mais j'avais déjà une figurine en mode Fantasia, celle de la Disney Infinity, donc j'ai voulu prendre celle-là puisque je n'ai aucune figurine de Steamboat Willie. Il est juste trop bien. Par contre, seul bémol, c'est que la boîte a fait des marques rouges juste ici et c'est juste pas beau. J'ai pas du tout réussi à les enlever, même avec tous les trucs inimaginables, je n'ai pas réussi à enlever les traces, donc c'est hyper tenace. Et j'ai vu que c'est arrivé à pas mal de figurines, donc c'est un petit peu dommage. Là, on passe vraiment aux achats du mois. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez voir à quoi ressemblent les dernières pop que j'ai achetées. Il s'agit des pop du Monde de Ralph 2 qui sort le 13 février au cinéma, mais dont il y a des avant-premières le mois prochain. Et moi, je vais aller à celle du 25 novembre, donc j'ai juste trop trop hâte. Je ne pouvais pas attendre le 13 février pour le voir, c'était pas possible. Et j'ai craqué sur 3 pop. Donc il y a bien la vidéo de présentation que je vous mets en haut dans le petit i. Et je vous ai présenté en fait les pop, je vous les ai montré déboxés, donc là je vais pas le refaire, je voulais juste vous montrer rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Et je les trouve vraiment trop trop classe. Il m'en manque une pour avoir toutes celles que je veux et j'ai juste trop hâte de les avoir. Ensuite, prochain achat que j'ai fait, il s'agit d'un achat Primark. Et c'est vrai que vous voyez pas grand chose de Primark dans mes hauls. C'est pas parce que j'aime pas Primark, hein, ça c'est faux. J'adore Primark, c'est vraiment un de mes magasins préférés. À chaque fois je trouve des trucs de fou, mais c'est surtout sur internet en fait que je vois des trucs de fou. Et dès que je vais dans le magasin, je trouve jamais rien. Malheureusement, en fait, le Primark qui est le plus proche de chez moi, c'est celui de Lyon et c'est celui qui est le moins approvisionné et c'est celui où on trouve le moins de choses. À chaque fois, je vois que les rayons sont toujours vides, alors que quand je regarde les Primark de Paris, il y a énormément de choses dont j'ai trop envie de craquer que je ne peux pas parce que j'habite trop loin et que j'y vais très rarement, donc malheureusement je ne peux pas craquer. Bon, vous allez me dire, heureusement pour mon porte-monnaie, au moins je peux être assez raisonnable à Primark, mais c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a pas mal de choses assez sympas. Mais j'ai quand même fait un achat, il s'agit d'un sac
de Mickey, encore Mickey, hein, et il est juste trop beau. J'adore en fait les carreaux, le motif et tout, et les Mickey. Je trouve que ce sac est super joli et il est lourd parce que je l'utilise pour les cours, donc je m'en sers pour les cours. Donc c'est un sac super sympa et il tient la route. Donc voilà, et puis je le trouve super beau aussi. Ensuite on passe aux réceptions et je vais vous présenter la lithographie que j'ai reçue ce mois-ci. Il s'agit de Pocahontas, elle est juste trop belle. Pocahontas c'est le Disney de mon enfance, donc j'adore ce Disney et je la trouve trop belle cette lithographie. Elle est vraiment très jolie avec les crayonnés et pareil elle est limitée à 1000 exemplaires, je la trouve trop belle. Autre réception de chez Amazon cette fois, c'est un livre de La Reine des Neiges, donc Frozen Anna Act of True Love et Elsa I See Magic. Donc c'est un livre qui ne date pas d'hier puisqu'il date de la sortie du film et je ne l'avais toujours pas acheté alors qu'il coûte pas très cher, il coûte moins de 5€ sur Amazon et j'ai trop craqué sur les illustrations parce que c'est un illustrateur que j'aime beaucoup et qui a déjà fait une illustration d'un livre que j'avais acheté à Londres et je le trouve juste trop beau. En fait c'est l'histoire de la Reine des Neiges mais avec le point de vue d'Anna et de l'autre le point de vue d'Elsa. Je trouve ça vraiment très bien fait, c'est pour ça qu'il est deux en un en fait et que de chaque côté vous avez l'histoire. Donc là on a dans le point de vue de Anna et de l'autre côté on a le point de vue de Elsa. Donc c'est une histoire avec des illustrations toutes mignonnes. Franchement moi j'aime beaucoup. Et enfin dernier article de cette vidéo, il s'agit d'un Blu-ray que j'ai reçu également de Disney Extra. Il s'agit de The Lone Ranger, Naissance d'un héros, qui est un film que j'ai vu il y a très longtemps au cinéma. Enfin à sa sortie je l'avais vu au cinéma et je ne l'ai pas revu. Alors que j'avais trouvé plutôt sympathique, c'est vraiment des acteurs que j'aime bien. Notamment Johnny Depp qui est vraiment un acteur génial. Et Helena Bonham Carter que j'adore également. Et c'est un film assez sympa sur... c'est un petit peu Far West, etc. Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est plutôt sympa. C'est un bon divertissement. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'article que vous avez préféré. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour en savoir plus sur mes collections et mon univers. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!